Lundi 1er avril 2024, bonjour, bonsoir Haïti, bonjour, bonsoir la diaspora, bonjour, bonsoir à internautes, tout à fidèle à brancher plateforme ça, moins content ensemble avec vous, et sur la caillou, et notre travail dans la rue, quel que soit à côté, ou à suivre, et Chanel ça, moins saluer, c'est un coquin plaisir qui m'a connu en de Fokem pour rentrer la caillou, pour partager avec toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville, pays d'Haïti ou à l'étranger. Dans micro, voilà, Kaila, c'est toujours serviteur aux amis, au merci Dieu, toute équipe là, en la Ronde-Badet, déjà mobilisée. Nous pourrons faire une transmission journal, méga matin, méga, c'est Pigo Réseau Radio Haïtien qui est sous la terre bénie, avec staff nouvelle là, information yo, sous pays d'Haïti. RTP, Radio Mega, Go Radio 1, l'IFS 5. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Mega Matin. Premier journal, la Radio Mega qui passe sur réseau Radio Mega dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Lundi 1er avril 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue sur Antenne Radio Mega. C'est premier paraître journal là pour semaine, premier paraître tout pour mois avril. Déjà nous avons beaucoup moins d'informations sur Pigo Réseau Radio. Dans le monde de Radio Mega, qui journal ça arrivé possible grâce à concours toute équipe à nouvelle là. Marcel Joseph, c'est le même qui a fait Manef TIQ au micro. Présentation, moi-même Jean-William Sévère avec Daniel Daniel. Auditeur, auditrice Radio Mega, bonjour, bonsoir, bienvenue. Mais quelques principales informations qui pour nous développer dans le journal la matin, en pile balle tiré dans pleine hier soir, tant qu'on a quoi d'émission Bit Boy et Latrier, selon information, c'est la police qui t'a tenté d'élever barricade, bandit et mettez sous route là depuis plusieurs jours. Il y a monde qui mouille, il y a monde qui blessé tout, mais pourquoi il y a un bilan officiel? Un phénomène bois calé a continué dans le plateau central, citoyen, dans le balai, tout un policier à colotte citoyen, d'avoir acheté balle sous frontière, d'après information. Ancien député à des collines à avoué plateau central sur un couloir bandit utilisé pour faire trafic Zamakba. Cependant, ces parlementaires à quoi Barala dépassé citoyens, c'est l'État responsable qui pour résoudre un problème. Entre temps, l'hélicoptère continue à pébroter municipal dans le pays. L'hélicoptère force l'armée française recevra au moins une balle dans le week-end pendant le temps pas volé non nuit. Vol Haïti à États-Unis pour qu'on sur route pour reprendre surtout un capital. Compagnie assis interdit avion vin risqué dans le pays d'Haïti. JetBlue dit le café jusqu'à 5 avril. American Airlines jusqu'à 17 avril. La guerre pour nous partager l'information qui est à ouais avec la force multinationale dans le journal. Jeudi, il y a plusieurs dizaines de soldats canadiens venus dans le pays jamaïcain pour aller former agents qui fait partie force multinationale. La force défense Belize qui est Bahamas déjà arrivé. Jamaïque pour formation aussi là. Après tout la lito, finalement lisse 9 membres conseil présidentiel là arrivé joindre premier ministre Ariel Henry et un conseil ministre doit organiser matin pour capable publier arrêté qui nomme conseil présidentiel. Un compromis historique dénoncé conseil ministériel capable traîner pied avec un dossier sous prétexte pas gagner provision légale à Belle des Collines. Roger doit être sous monde qui a utilisé dossier ça pour faire chantage pour mon dépense. Chimé délivrance Haïti, front résistance Haïti et Latrier, voyons pinga ben juge cassation pour accepter conseil a prêté serment devant yo parti sa question juge dans cour cassation qui vous prête à pays d'Haïti. Aux ateliers plateforme nationale secteur populaire haïtien annoncé mettez des Yannick Mézil Lérisson notre parti pour absence leadership aux décisions directoire place pas prendre en réunion extraordinaire 25 mars 2024 à passer. C'est point ça yo diverses les autres qui après le fait essentiel journal la matin mais pas oublier dans différents week-ends quel que soit Jean Saïe, monsieur a fait effort pour dire qui j'ai divers zones dans la région métropolitaine, levé pour matin. Non, journal, je dis, on connaît combien de goudou a besoin pour capabation de l'Amérique. N'a pas pour nous porter pour week-end, capsule santé, rebranché. N'a pas tourné, amis auditeurs. Puisque nouvelle là,
t'es tombé pendant un week-end là. Gagne un petit vice-président marketing Unibank là, Guy Philippe Supplice, l'y assassiné en circonstance personne pas qu'on est chef entreprise Guy Philippe Supplice l'y joigne l'amoli dans machine li sous route frère circonstance personne pour qu'on capable déterminer dans qui condition li mourit, mais gagne des informations qui t'a fait quoi li t'apprend pendant tes gagne échange un coup de balle en t'argent l'audio avec nèg avec Zam il pas arrivé identifié divers messages en soutien rive jeune famille Supplice dans occasion difficile ça notamment à travers réseau social yo entrepreneur l'étape évolué dans différents domaines d'activité tant coup restauration décoration intérieure pour ne citer ça yo seulement n'a rappelé Supplice li gagne un diplôme dans prothèse dentaire Guy Philippe Supplice li service et papal c'est vice-président marketing relations publiques dans Unibank n'a parlé là de Guy Supplice lui-même qui petite li mourir dans circonstance personne pour qu'on capable déterminer mais n'a rappelé en janvier 2023 Guy Philippe Supplice li était également victime en kidnapping dans capitale haïtienne. Nous après les partager notre information ensemble avec vous puisque pendant tout week-end là également l'été kembe actualité a gagné un youtubeur américain lui-même qui n'est avec Azam la capitale haïtienne là t'est kidnappé pendant t'est trouvé la capitale haïtienne là pour t'es capable travailler sous un reportage il gagnait habitude de faire déjà un pile côté d'un pays ben information yo t'es fait quoi gagne nèg avec zam cap taibadan capitale haïtienne là ben t'es kidnappé youtubeur ça donc c'est gagne 400 marozo qui ont même kidnappé youtubeur américain origine libanaise là qui joignent liberté là. Sans li pas bay trop explication youtubeur américain hein, Addison Pierre Malaouf li annoncé sous compte X li libéré par gang 400 marozo qui était kidnappé le 14 mars 2024 là pendant li t'a pran li dans fief gang qui a dirigé par Jimmy Cherizier alias Barbecue dans Delma dans cadre interview gang qui a dirigé par le mort 100 jours dans croix des bouquins ont exigé 600 millions de dollars américains pour libération youtubeur. Moi, été kidnappé uniquement à cause couleur peau moins. Moi, été kidnappé parce que moi blanc. Moi, pas qu'à bye. Trop détails sous sac passé à avant même moins rentrer la caille moins dans une vidéo qui a passé qu'il est sur tout réseau social yo chef gang 400 marozo a littéralement public sur réseau social yo pendant week-end là le mois 100 jours li présenté youtubeur a avant li était libéré caïd croix des bouquets a li était voulait montrer avec pays a victime là li était à l'aise la Cali. Donc, moment n'a pas parlé là, d'après un article Juno 7 publié, il t'a fait quoi? Yo pas connaît si YouTube a libéré avec rançon. Voilà, c'est détail nous t'a essayé partager ensemble avec vous sous ça qui rivait après ben yo libéré les n'a pas rappelé yo t'es déjà nèg avec zam yo t'es déjà mandé ben 600 000 dollars américains pour t'es capable libérer et n'a pas rappelé nous pour qu'on connaît est-ce que yo libéré là sans rançon ou pas. Un coup de balle sous hélicoptère ça yo même qui t'ai vinn après divers vols hélicoptère qui t'ai cible li t'ai cible coup de balle
essayé d'établir contact avec différents collaborateurs nous yo ou même qui déjà tout partout dans la capitale haïtienne là pour capable aider une traversée, mais entre temps n'a pas essayé partager diverses informations ensemble avec vous sous ça qui était gagné pendant tout week-end là dans la capitale haïtienne là. Gagné un hélicoptère l'armée française l'ITCIBE coup de balle pendant évacuation expatriés yo dans capitale haïtienne là pendant un vol hélicoptère qui était cible gang armée yo pas hésité tirer coup de balle sous hélicoptère ça yo même qui était vine après divers français qui yo même était trouvé dans pays capitaine français l'armée Léa Adrien Charal il retournait sous ça qui passait dans vol ça avec journaliste qui dans TF1 yo pendant vol ça nous avion qui t'a essayé prend direction sol là l'été recevoir divers coup de balle neg avec zam donc c'est pour la première fois un hélicoptère t'a transporté étranger l'été cible bande améyo yo même qui t'est visé dans la capitale haïtienne cette moun passé voyage ça li et paraît c'est honte et humiliant ben côté moun pas en sécurité face avec attaque nèg avec zamyo expérience a montré que personne pas en sécurité dans moment n'a pas parler là dans pays a qui tout en l'air qui tout à terre ou pas en sécurité donc c'est ça responsable la milice française là il était déclaré avec un journaliste dans TF1. Oui, n'a toujours été sous question insécurité, mais fois ça n'a font parler sous force multinationale là côté gain formation qui a fait là pour membre force multinationale là qui t'a de déployer dans pays en amis auditeurs autorité canadienne a annoncé il y a pas gagné pour yo former dans pays Jamaïque troupe CARICOM yo na l'idée pour une mission force multinationale appui à sécurité annonce en fait à pas week-end non c'est autorité canadienne yo qui fait annonce si la ministère canadien défense informé environ 70 membres force l'armée canadienne qui était payé pendant week-end nan destination Jamaïque mission yo c'est formé militaire pays communauté caraïbio qui a bien pour participer dans mission multinationale la. Ministère canadien défense informé tout le répond à qui on demande gouvernement jamaïcain mission canadienne nan baptisé opération Helios militaire canadien yo a pas gain pour former militaire caribéen sous un maintien de la paix avec premier semaine en combat y a bien pour mener tout également exercice validation et intégration pour troupes CARICOM yo selon ministère défense Canada compte préparer troupes CARICOM yo pour participer à un déploiement dans cadre mission multinationale là militaire canadien yo qui a bien pour participer dans mission ça dans pays Jamaïque sorti principalement dans premier bataillon royal 22e régiment dans Valcartier dans Québec y a déployé pour une période initiale environ un mois et y a pour participer dans formation environ 300 membres troupes CARICOM qui sorti Bahamas Belize à Jamaïque. N'a pas toujours été la question formation sous force multinationale qui t'a devenu dans pays il y a 60 soldats pays Bahamas débarqué Jamaïque pour suivre formation l'armée Canada pour Freeman mission multinationale là divers soldats force défense pays Bahamas débarqué Jamaïque hier dimanche 31 mars 2024 là pour participer dans série formation soldats l'armée Canada pour fournir militaires qui policiers qui a bien pour débarquer en Haïti dans un petit bout de temps gouvernement pays Canada qui pas voulait prendre tête mission multinationale là qui gain pour déployer en Haïti voulait porter soutien une autre façon pour bail force ça qui t'a dû rentrer dans pays là vienne courir la police nationale dans quatre batailles y a mené contre gang armé dans un communiqué officiel ministre
défense pays Canada a été publié vendredi passé a annoncé 79 membres force l'armée après le former environ 300 soldats mission Nations Unies qui a bien pour venir sous Tibouté partie l'ouest zile Haïti dans un pays Jamaïque. Formation ça c'est gouvernement pays Canada qui t'a demandé soldats canadiens pour venir partager quelques connaissances dans expérience avec militaires qui prennent la mission. C'est comme ça militaire plusieurs pays qui a pas dans force multinationale là et pour prendre direction pays Jamaïque pour aller recevoir formation si là hier dimanche 31 mars 2024 là 60 soldats Bahamas débarquent Jamaïque pour suivre séance formation ça qui a duré un mois avant de prendre direction pays d'Haïti. N'a pas rappelé c'était 2 octobre 2023 Conseil de sécurité des Nations Unies a débat autorisation pour force étrangère à fouler sol papa Dessalines là force qui a pas gagné là dans le policier militaire a bien pour venir dans tête un pays et ce pays Kenya cap dans tête force multinationale. On nous venir avec question vol nous connaît à cause d'insécurité vol capé dans Port-au-Prince même si dans cap haïtien gain compagnie qui fait cap haïtien États-Unis cependant que l'autre compagnie eux-mêmes yo poko a recommencé vol entre Haïti et divers autres pays notamment États-Unis. C'est pour JetBlue, yo capé tout vol jusqu'à au moins vendredi 5 avril. Pour American Airlines, yo dit yo suspend vol sur Haïti jusqu'à mercredi 17 avril. Tandis que quel compagnie Spirit lui-même qui fait qu'on est yo capé jusqu'à nouvel ordre, que ce soit sous Port-au-Prince ou bien sous au Cap selon Miami Herald. Rappelez toujours sur Tel Radio Mega, nous on va continuer avec une nouvelle yo, nous t'ai partagé information ça dans site journal là, gagne coordination presse avec relations publiques police nationale là, yo by détail, gagne un full moon envahi un petit poste police dans Mirbalin et puis rachet qui manchette deux individus là dedans yo policier, la police a été fin interpellé dans zone dans localité dans Mirbalin vendredi 29 mars 2024 là malgré tout effort policiers ont été faits pour te protéger yo citoyens yo qui étaient en colère mettez la patte sous messieurs ça yo il te gagne valise l'argent qui évalué puisse passer 6 300 000 goudes à 20 000 dollars américains dans moment arrestation ça l'argent ça c'est l'information qui disponible là c'est police nationale là qui bail détail c'était pour aller acheter balle examen pour gagner sous frontière na niveau Biladin. Des messieurs ça yo c'est Alexandre Ananel, un policier grade A2 qui était affecté dans Sebim, dans Muska, Michelet qui c'est un agent sécurité, conseil électoral provisoire. La police joigne sous yo tout des pistolets 9 mm avec 6 charges remplies avec balles, avec une boîte 54 cartouches 9 mm. La police confixe tout, une machine Nissan Xterra couleur noire qui gagne un numéro plaque A-49-833 avec 7 téléphones nommés Mounsayo. Continuer avec information yo toujours question Bois-Calé qui a fait surtout dans quelques villes provinces en nous aller la Caobas amis auditeurs avec présumé bandit ça en nous vient avec plus détails pour dans un journal là pour capable gagner toute information yo gagner Jemex ainsi connu en nous bas au plus détails en nous Emmanuel lui alias Jemex qui mouri qui boit globouche dans le mouvement justice populaire dénommé Bois-Calé na Beladen na plateau central samedi 30 mars Jemex s'est présenté comme un criminel qui était évadé dans pénitencier national pendant évasion ça a été provoqué coalition gang vivant ensemble t'est provoqué 2 mars 2024 là l'individu ça qui est venu à peine ouvrir un commerce 4 sim dans frontière Haïti à République Dominicaine t'est gain actif lui assassinat yon policier Simo selon plusieurs sources locales.
Nous prenons avec Jean Adroist, Louis Charles, l'imam qui parlait sur question l'hôpital qui est un pays spécialement la capitale haïtienne. Il y a l'association médicale haïtienne qui continue à être chargée façon quantité l'hôpital, site public qui ferme dans le pays, l'hôpital sanatorium, l'hôpital général, tout fermé à cause de violence gagnée dans le pays, d'après le président de l'association Jean Adroist, Louis Charles, qui croit ses frustrations nègres examinées contre l'État qui la cause. Yo attaqué cet hospitalier yo non capital pays à Ankoutel. Bon, situation l'hôpital est détérioré net peut-être parce que vous connaissez institution qui pas fonctionner qu'on a les augmenter. Donc des situations détériorées net et non seulement ça, on dit pour l'hôpital yo, mais bagaille qui pour faire l'hôpital fonctionner les intérêts. On va gagner yo. Donc on dit c'est nous qu'on pigou l'hôpital là tombé. Et même si on va dire pas entrer là-dedans en attendant l'hôpital général tombé. Et tout bagage qui est en face de l'hôpital, c'est ce côté de l'hôpital, tout tombé. Les pharmacies, cliniques, polycliniques, dans ce genre, tout tombé. Donc, j'avais dit, bagage là, c'est une plus grave net par rapport à ça que tu gagnes avant. Donc, j'avais dit, bagage là, c'est détérioré net et population aux abois, parce que pas gagné santé. Pas oublié. Il y a des gens qui ont fait dialyse. Il n'y a pas qu'à vivre sans dialyse là, non? Beaucoup de dialyse ont fait tourner. Avec tout le monde, ça y est, ils envoient pour y aller mourir. Dans une zone de l'hôpital général, là, vous êtes constaté pour mon dialyse, mon qui n'a pas qu'à payer gros l'argent. Mais oui, l'hôpital général, c'est ça, les mêmes. C'est pour mon qui n'a pas qu'à payer gros l'argent. Pour plus gros institutions dans le pays, de santé fermée pour mon qui n'a pas gagné gros l'argent. Avec tout le monde qui peut faire dialyse, le va jouer maintenant, il va mourir. Il va mourir, ça c'est, et cache, il va mourir. Comme nouvel sanatorium. Et sanatorium, il est toujours fermé, toujours. Quoi que mon fontier arrive là, dans le garder. Nous, ouais, ça fait, nous arrivons, nous, ouais, que, j'étais prêt tout matériel net dans l'hôpital, là, même mat, là, ouvre. Pas appareil, mon, ne pas comprendre, y'a crasé, y'a. Donc, y'a crasé, avait dit, sanatorium, tout tourné, c'est qu'à la crité, avec carbone crité, mais sanatorium, crasé net, mais nous espérer, peut-être, si bagaille la bonne là, pour nous retourner sanatorium, même, consultation a commencé à faire. Est-ce que si là, vous pensez, vous pas comprendre qui ça, l'hôpital veut dire, donc qui fait obligé d'attaquer l'hôpital tout? Non, je comprends ça, l'hôpital veut dire. Mais, d'après l'analyse qu'on a fait, nous arrivons dans une situation pour que tout le monde depuis ce bagage, l'État fait passer misère, l'État crée pauvre, crée et l'État fait aux pauvres, mais depuis son bagage, c'est bagage, l'État. Ou bien, et quel que soit bagage là, il crase pour qu'il fasse l'État mal. C'est ça qui est là. Son aide, il gagne pour l'État et il gagne tout pour la bourgeoisie. Donc, ça fait me penser, ça fait mon dieu, quelque chose de bagaille, il faut écraser pour faire l'État mal, parce que l'État a été fait au mal. Voilà, on tape côté intervention. Jean-Adouin, Esther, Louchal, qui t'a parlé sur situation tête chargée, secteur sanitaire l'a fait face suite avec situation insécurité qui gagne en pays d'Haïti. Insécurité en CPI, gros chantier, captant nouveau pouvoir, transition pour capable permettre à l'hôpital de recommencer fonctionner. Responsable AMH, là, quoi, toute autorité au droit prend disposition pour diminuer le gros misère qui c'est un acte qui encourage l'insécurité en pays. Et en côté Jean-Ardouin et Esther Luchol. Pour nous retenir la normalité, c'est sécurité à pour. C'est insécurité à pour diminuer, c'est insécurité à pour bloquer. Depuis bloquer l'insécurité, on n'a qu'à recommencer, et n'a qu'à recommencer et fonctionner. Donc les neurones vont fonctionner, mais qu'on est là, faut nous créer l'État tout bon avec des institutions et fortes, mais des institutions qui ont justice pour gagner justice sociale. Si pas gagner justice sociale, ben, ça a plus tard, dans quelques années encore, la fête, même j'ai encore. Donc, faut pas grand monde camper monde pauvre, faut grand pile justice sociale pour nos cas, fonctionner avec une population qui d'accord, nous, qui d'accord institution. C'est pas ça, il y a crasé encore à n'importe quel moment, il faut, secteur politique là, secteur économique là, tout, faut eux-mêmes travailler ensemble pour pas rester c'est corruption, faire population pas jouer rien pour le vivre. Donc, un pile chantier, capitaine, nouveau transition, ça, quelle que soit transition derrière? Quelle que soit transition, hein, un pile chantier, parce que l'hôpital général bloqué, sanatorium bloqué, social bloqué. Quand il y a 18 institutions de santé, dans la zone métropolitaine qui est bloquée, donc, il faut y ouvrir tout. Et non seulement ouvrir, il faut acheter matériel pour faire tout fonctionner encore, parce qu'un peu le matériel là-dedans est fini. Donc, il n'y a pas oublié la population tout, dans sa population tombée, quand il a brûlé de tous côtés. Donc, il dit, il y a un peu le chantier là pour un groupe qui a monté, ça préfère faire vite, il a monté et ça a fait, pour payer, recommencer à fonctionner, pour gagner sécurité, pour recommencer à la population santé.
Voilà, on t'a écouté là, adjoint Louis Charles, pendant un dossier ça, ben, garder ensemble avec vous. On a toujours été la question santé, l'hôpital, l'université, l'État d'Haïti. Ils ont annoncé, il y a pas repris l'activité pour aujourd'hui, lundi, 1er avril 2024, là. C'est directeur exécutif, là, docteur Jude Milce, qui annonçait ça à travers une note, il était rendu public, il était contraint pour fermer Potio face avec affrontement qui était gagné entre gang à police nationale dans le parage, l'hôpital là, depuis 29 février passé, hein. Donc, il a envisagé de démarrer avec service, direction exécutif, l'hôpital, l'université d'État d'Haïti, gagné avantage pour le capable d'annoncer reprise activité dans l'hôpital là, à partir lundi 1er avril 2024, 8h le matin, c'est ça, on était capable non communiqué ça qui pas mentionné qu'une date yo conscient face avec gravité sécurité à gagner un pays à direction exécutif là li qui une plus grosse centre hospitalier pays à connaît face avec ça qui gagne là yo compté ben reprendre activité yo dans l'hôpital là de l'autre côté direction l'hôpital là li dénoncer climat terreur qui a gagné à travers pays à spécial dans la région métropolitaine qui a pas gravé chaque jour. Bon Dieu, mettez face avec situation difficile ça. Citoyens, yo continuer à faire face. Toutefois, présidente syndicat employé UEH, Evelyne Frémont, li était perplexe face avec réussite à reprise service, face avec maintenance gagnant qui continue à pétailler dans le dernier temps ça, yo, dans la capitale haïtienne, spécialement zone à Chamasse là.